La vie a changé dans le temps, elle a beaucoup changé d'ailleurs dans le temps où on gardait nos défunts malheureusement au domicile, où on aimait nos défunts, beaucoup, qu'aujourd'hui c'est fini. On les laisse soit dans des maisons de retraite, soit dans des espèces qu'ils appellent ça funérium, funérarium. On les laisse là-bas et on ne va même plus les voir. On n'a plus aucun respect vis-à-vis de nos défunts. La vie a beaucoup changé en 40 ans. Hein. Je suis Jean-Louis Pouillade, j'ai 66 ans, j'habite Duras et j'ai exercé le métier de croque-mort et d'ambulance pendant 42 ans. J'ai débuté dans le métier de pompe funèbre et d'ambulance quand je suis rentré de l'armée en 1957. Ce qui m'a incité à être ambulancier et pompe funèbre, c'est qu'à l'armée, j'étais infirmier et brancardier. Voilà la raison que je me suis installé à Dignac comme ambulancier et pompe funèbre. Je m'appelle Jackie Grenier. Je suis né à Guéras le 22 mars 1937. J'ai vécu et passé toute mon existence, puisque je suis retraité depuis 5-6 ans. Je suis retraité à la suite de mon travail de charpentier-menuisier. C'est la cinquième génération qui malheureusement va s'éteindre avec mes enfants qui ne continuent pas la succession. Au début de ma carrière, j'ai fabriqué des cercueils. À la demande des gens, ils étaient en chêne, châtaignier ou quelquefois en pin ou en peuplier, mais rare, ça c'était pour les indigents, pour ceux qui n'avaient pas de moyens. Mais en chêne ou en châtaignier, on a fabriqué jusqu'aux années 80. On allait chez les gens qu'on ne connaissait pas pour prendre la dimension de la personne. C'était un art, si on peut dire. Mais les années 80 nous ont arrêtés parce que, avec le progrès, les cercueils, les usines, les fabrications se sont mis en produire en grande quantité et on n'était plus compétitif. J'ai fait mon apprentissage ici en années 53 ou 4. Ensuite, la guerre d'Algérie, malheureusement, pendant 2 ans, qui m'a interrompu dans mon métier. J'ai également, enfin, j'ai pris la suite et l'initiative de m'installer à la suite du décès de mon père, aux années 61, par là, 1961. Et ensuite, j'ai travaillé pendant 40 ans jusqu'à l'âge de la retraite. Pendant ce laps de temps, je me suis occupé de pas mal de choses dans la commune. J'ai été président du comité des fêtes. J'ai été conseiller municipal pendant 36 ans, quelques années d'adjoint au maire, puis maire pour terminer. Maire honoraire qu'on m'a gratifié depuis un an ou deux. Et j'en remercie le maire actuel pour son initiative.
de m'avoir honoré. Ensuite, j'ai été même médaillé pour ces 36 ans passés au service de la commune. Je me suis beaucoup impliqué dans la vie locale en développant l'office de tourisme de Villebois-Lavalette ces dernières années. Et j'étais conseiller municipal à Gura à l'époque. Et lorsque M. Grenier, notre précédent maire, a décidé de ne pas briguer un deuxième mandat, je pris tout naturellement sa suite. Un oncle de ma famille avait une propriété à Gura. Il m'a demandé dans les années 60, au moment de mon mariage, de m'occuper de cette propriété, ce que j'ai fait pendant quelques années. Et puis finalement, j'ai acheté cette propriété et je me suis implanté à Gura. À cette période, je venais pendant les grandes vacances, pendant les week-ends, etc. Et puis, en avançant, je me suis implanté un petit peu plus et je suis là plus souvent, où j'ai développé un certain nombre d'activités. Le réaménagement du bourg a commencé en 1990. Monsieur Chalecussol, maire à l'époque, a remis en état l'ancienne école qui venait de fermer, dans laquelle nous nous trouvons, qui aujourd'hui est la mairie, plus de logements sociaux qui ont été faits au premier étage. Ensuite, Monsieur Grenier, mon prédécesseur, a organisé, animé le réaménagement du centre-bourg, c'est-à-dire tout ce qui se trouve à l'extérieur et la petite place juste devant l'église et la mairie. Nos projets tournent autour du mot tourisme. Nous sommes un petit village de caractère au bord de la Lisonne, en bas, au nord, une ligne de crête avec des points de vue superbes, un maillage de chemins de randonnée relativement important, l'implantation de gîtes touristiques tant au château qu'en face et même dans certains de nos petits villages des environs. Donc nous sommes éminemment axés sur cet objectif, à travers la valorisation de notre patrimoine. Paul Desroulettes était un homme haut en couleur qui a marqué notre histoire de la fin du siècle dernier. Il était auteur dramatique, homme de lettres et politicien. Originaire de notre région, il fut pendant une assez longue période de sa vie député de la Charente. Et il était le bras droit de Boulanger, le chantre de la revanche sur l'Allemagne, que Desroulettes a incarné également. Il habitait une propriété près d'ici, à Gura même, où il a séjourné pendant de nombreuses périodes de sa vie et où il a écrit la plupart de ses œuvres. Je suis Yvette Mallet, née le 6 février 1931 à Gura et j'ai passé toute ma vie dans le commerce que maman avait créé en 1919. J'ai quitté l'école à 13 ans, je n'étais malheureusement qu'à l'école de Gura, mais à 13 ans j'ai été dans ce commerce qui m'a passionnée, où j'ai passé de très bonnes années. J'ai vécu ma vie d'épicière passionnément parce que je suis née là-dedans, je n'ai connu que le commerce, nous sommes nombreux de familles et tout le monde a été branché là-dedans. Mais moi je suis restée à Gura où j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de gens qui nous ont estimés mais que nous on estimait beaucoup et à qui on a rendu le plus de services possible. Vous savez, dans mon métier, il m'est arrivé des anecdotes vraiment bizarres. Premièrement, les femmes, à ce moment-là, personne pour les emmener à l'hôpital, pour accoucher. Ça m'est arrivé de les emmener par du verglas. Sur du verglas, pendant 30 km, on trouve le temps long. Je peux vous dire qu'en arrivant à la clinique Saint-Joseph, 10 minutes après, le bébé était né. J'avais passé un mauvais moment.
D'autre part, les enterrements, c'était tout pour moi. Le camion qui transportait les fruits et légumes servait pour emmener les morts à leur dernière demeure. L'église monolithe de Guras, c'est un peu le fleuron du patelin, fréquenté par de nombreux étrangers. Les enfants des écoles viennent, d'où les familles, après, sont curieuses d'en prendre connaissance. Et cette petite balade qui y amène est très agréable et c'est étalé sur toute l'année. J'habite dans la région depuis pas mal de temps et je passe devant ce village et devant cette maison qui m'a toujours plu. Les circonstances de ma vie ont fait que j'ai pu acheter ce lieu qui était à vendre, qui était très en ruine. Et comme je suis bricoleur dans de multiples disciplines, aussi bien charpente, toiture, maçonnerie, etc., je me suis lancé dans la rénovation de ce lieu afin d'en faire un gîte éventuellement ou d'autres activités pourraient se joindre ou prendre le dessus. J'ai passé déjà 3 ans de restauration, principalement sur l'extérieur. Je joue sur les volumes, les matières, en respectant les matériaux locaux, en respectant certaines proportions, par exemple les fenêtres qui m'ont été reprochées d'être un peu trop petites pour le manque de lumière, par le modernisme, mais qui sont typiques si on se réfère à l'habitude architecturale de l'ancien temps. Une partie de cette maison est très ancienne, je pense du 12-13e, comme certaines autres parties du village, le château entre autres. On est à peu près aux 3/4 des travaux extérieurs. L'intérieur est actuellement en chantier. Je pense que encore un an et ce sera terminé. Et j'espère qu'on peut y trouver dans l'avenir une activité intéressante. Bonjour Anne. Bonjour Huguette. Voilà Madame Lewis qui est la propriétaire du château de Guras. Oui. Depuis 3 ans, qui y vit de façon permanente, qui a installé des gîtes, toute sa famille, enfin ils ont fait énormément. Ils essayent de s'intégrer le plus possible dans le village parce que c'est la raison pour laquelle ils sont venus s'installer ici pour la qualité de vie, le climat, oui, qui est généralement très beau. Oui. Right? Mm-hmm. What is France for you? France for me is the quality of life. It is much slower than I was used to in my travels abroad and in Scotland. And I like the people, I like the countryside, and I like the particularly the way my grandchildren are being educated, mm-hmm. because I like the French system of education. I think mm-hmm. it is much better than in the UK. Elle aime tout ce qui est la qualité de vie de en France, le climat, les gens, tout ce qui fait le plaisir d'un touriste à associer à la vie d'un citoyen français, en somme, la qualité de vie. Et surtout, elle apprécie d'avoir des petits-enfants qui vont avoir une éducation française bien meilleure que celle d'Angleterre. Voilà. Elle a surtout beaucoup voyagé à travers le monde. Et il vivait en Écosse où vraiment, c'était très dur de climat. You built many gîtes here. What do you say to your visitor? When they come, we tell them the countryside is superb. The people in the Charente and in Gora are very friendly, very welcoming, and the weather is beautiful. Bon, elle dit que la Charente est très belle, que les gens ici sont très amicaux et que le temps est très beau. C'est une des raisons pour lesquelles ils envoient également des photos des gîtes et de la piscine et de tous les agréments qu'ils peuvent avoir. Et c'est plein du mois de mai jusque fin octobre. Oui. Mais que des Anglais. Les seuls Français, c'est moi et ma famille. Bon, Anne. Oui. You will be living here for a very long time, we hope. But when you die, do you want to go back your
No. In your Scotland? No, we have booked a place in up the road. Already? Well, we will do. We will do. I will. No, we will stay in France. Okay. Non. Elle espère rester le plus longtemps possible ici au château. Mais le jour où il faudra en partir, elle ira au cimetière là-haut. Elle reste à Gurat. Ils resteront à Gurat. Oui. Je vais lui faire acheter une place. J'avais une petite exploitation que j'exploitais avec mes parents. Mon père est disparu. Ça fait 3 ans passés. Et à temps mort, au printemps, j'allais tirer la tourbe, exploiter la tourbe. C'est un métier très pénible. Et on tirait 4200 morceaux de tourbe. On partait les matins à la pointe du jour. Et on finissait vers 11h30, midi. Et une journée de tourbe pesait environ 13 tonnes, 12 tonnes et demie, 13 tonnes vertes. Et c'était beau à voir pour l'extraction, parce que le gars qui tirait, il allait quand même à 3,60 m, et à 3,60 m de profondeur, à quelques millimètres près, il ne variait pas. Il prenait chaque fois une bille de 1,20 m, le loucher qui fait 1,20 m de long, et 3 profondeurs de rang. C'était très pénible. Et dans les fonds de tourbe, on trouvait des ossements d'animaux, des cornes de cerf qu'on a trouvé, des choses comme ça. Et à 3,60 m, déplace moins, mais il y avait comme ça une argile, de la terre blanche, réfractaire, ou de l'argile, où s'arrêtait la tourbe. Et la tourbe, ça servait pour le chauffage. Et il y avait le doc des Charentes qui en tirait pas mal, et qui, pendant la guerre, amenait ça sur Cognac. Et sur Angoulême, il y avait un camion qui roulait tous les jours la tourbe, un camion qui tournait au gazogène. Et ils avaient deux tireurs, ils étaient 7-8 gars qui tiraient tous les jours pour le château. Et il y avait un gars qui sortait la tourbe avec un tombereau et deux bœufs. Madame Hospital, votre fils s'occupe bien de vous? Bien sûr. Et puis ma fille arrive là, qui vient tous les jours. Elle vient la bien laver, bien le passer. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait, vous? Moi, j'ai fait... Il y a mon mari à travailler, ce que vous voulez. Vous avez travaillé la terre? Oui. Vous aviez des bêtes? Oui. Et c'est votre fils qui a continué l'exploitation? Oui. Avec les bêtes? Il faisait du lait? Oui. Puis ma fille a presque marié, elle est partie. Et puis on a gardé le garçon, qui était le plus jeune. Il est toujours avec vous? Et voilà. Quand votre mari est parti, ça fait quand même... une présence. Vous avez de la chance qu'il soit resté vieux garçon, alors. Oui, autrement, je n'étais pas là. Parce que maintenant, vous avez le gaz, normal. Si vous voulez. Et c'était difficile de travailler la terre dans le temps. Oui, parce qu'on faisait tout. Les bras et les bêtes. On a été un tracteur, mais il y a longtemps après. Moi. Et donc les travaux se faisaient avec des vaches attelées? Oui. Les foins et tout ça, oui. C'était les vaches qui tiraient toutes les machines agricoles. Oui. C'est ça? Oui. Après, quand il est arrivé du Jérima, il a acheté des chevaux. Alors on travaillait aux chevaux. Et on avait à fermer des terres en plus. Et puis comme ça, on faisait plus grand, quoi. Vous êtes âgée alors, madame, mais vous êtes en bonne santé. Comment? Vous êtes âgée, mais en bonne santé. Oui. Malgré tout le travail que ça représentait. Je ne souffre pas trop, moins de ma vie, mais ça, vous savez, tout le monde en a. Qu'est-ce que vous attendez de la vie aujourd'hui? Je n'attends plus grand-chose maintenant. Le bon Dieu me plaît, et puis voilà. Vous avez réservé votre petit coin au cimetière? Bien sûr. Maman, elle y est déjà, alors elle est à côté de lui. Vous irez le retrouver un jour, mais ça ne vous tarde pas. Si vous voulez, quand Dieu voudra, je ne peux pas décider de ça. Ça fait 3 ans, c'est encore proche, mais... vous avez d'émotions? Mais... parce que lui, il était toujours malade, il est toujours quelque chose, il est... la vie. Ma chaîne d'automate. Alors, elle était fatiguée. Si vous voulez. Le travail, les bêtes et tout, c'était moi qui ne pas. Quand on arrivait des champs,
il était obligé de se coucher. Alors vous savez, c'est pas drôle la campagne, le travail de la terre quand on est malade. Oui. Souvent, oui, quand on arrivait, oui, il se couchait, il était malade, et puis voilà. Eh bien, je suis redépliné, j'habite la commune de Rougnac. J'y suis né d'abord et j'ai 79 ans. 78 ans, 79 ans bientôt. Et j'ai été menuisier toute ma vie, j'ai pris la succession de mon père. Et dans ma vie, j'ai fait des cercueils évidemment, puisqu'il n'y avait pas les pompes funèbres. Et j'ai vu dans mon métier beaucoup de malheurs dans les familles, ce qui m'a beaucoup touché. Quand je faisais les cercueils, évidemment, il n'y avait pas de croque-mort. Il y avait mon ami qui faisait les transports de corps. Et une journée, comme il n'était pas pressé, et l'horaire était prévu à l'église, il était en retard. Il a fallu que ce soit des voisins qui se chargent de faire le transport du corps à l'église. Et quand mon ami est arrivé à la maison pour chercher donc le corps, il était parti. Il a fait un voyage pour rien, qui a été une petite rigolade. Ça a été un petit peu amusant. Le problème entre les grandes entreprises de pompes funèbres et nous, c'est qu'ils ont beaucoup plus de moyens que nous, premièrement. Deux, sur le plan moral, eux, c'est l'usine. Vis-à-vis des personnes en deuil, c'est l'usine. Que chez nous, on est toujours côte à côte avec les personnes en deuil, où on est là pour rendre des services que ces grosses entreprises ne peuvent pas rendre. Pourquoi ? Parce qu'ils ont du boulot. Et c'est toujours du travail à la sauvette qu'ils font, que nous, on est constamment avec les personnes en deuil. Aussitôt le décès, la mise en bière et tout, on est toujours là, qu'ils arrivent, alors on fait la mise en bière et on s'en va. Même pas de relation avec les personnes en deuil. Voilà la différence qu'il y a. Je m'appelle Madame Couillet, je demeure à Gura de façon permanente depuis 17 ans, je connais Gura depuis 52 ans, c'était le village de mon mari. Voilà. Et malheureusement, dans les 17 dernières années, j'ai eu affaire beaucoup de fois, de nombreuses fois avec M. Pouillade, pour mon plus grand réconfort et une grande sécurité, parce qu'il est présent, il est humain, il est efficace, moi je lui suis très très reconnaissante. Il s'est chargé des transports pour ma mère, pour mon mari, à l'hôpital, à la clinique. Et malheureusement après, dans la région parisienne, pour les obsèques de ma mère. Tout ce qui était malheureux dans ma vie ces dernières années, il y a participé de façon, je vous dis, très, très chaleureuse, très, très humaine. Sa femme également. Je ne sais pas si les gens du village, des alentours, apprécient le service rendu. Parce que, par exemple, en région parisienne, ma mère demeurait à 6 km de Paris, pas d'ambulance dans la ville. Il fallait faire venir une ambulance de Paris ou alors les pompiers. Ici, le docteur est là en 5 minutes en urgence. Il y a des services infirmiers fantastiques.
C'est vraiment très, très, très bien. Je ne pensais pas trouver ça ici. Mais quand je suis arrivée ici avec mon mari en fin de vie, de maladie, ça a été presque un réconfort de savoir que j'avais ce secours éventuel-là. Oui. Ça, je leur suis très reconnaissante. Le croque-mort a un rôle essentiel à jouer dans toute communauté. Notre société moderne se voilant la face devant la mort, parle plutôt aujourd'hui d'une façon impersonnelle des pompes funèbres. Je crois que c'est gommer le rôle essentiel de ce personnage et la personnalité de l'officiant. Le croque-mort apporte le respect, le partage de la douleur au moment où les familles sont dans la peine. Et je crois que ce rôle est très important au sein d'une n'importe quelle communauté. Ce métier m'a apporté à être plus dur à moi-même. Ce qui veut dire que je prenais tout sur moi, même mon épouse. Je lui racontais jamais ce qui se passait quand il y avait un décès, des trucs comme ça. J'ai beaucoup mûri. Parce que même dans ma propre famille, j'ai eu des décès. J'étais mûr parce que je savais ce que c'était. Je sais que je recommencerai que pour ça, le métier. Je recommencerai pour ça. Mais ça m'a durci. C'est un métier qui m'a durci. Le plus pénible, c'est les accidents de la route. Moi, j'en ai fait en 40 ans. J'en ai fait peut-être 1 000, peut-être 1 500, je ne sais pas, je ne les compte pas. Mais ce qui est terrible, c'est surtout quand c'est des jeunes. Quand on voit ces jeunes qui sont morts dans leur voiture, débloqués quand on arrive, qui sont bloqués dans leur véhicule, et qu'on voit à peu près l'âge du jeune qui est là, c'est horrible. Une fois, j'étais appelé par les gendarmes, et j'arrive sur le lieu de l'accident, dont le procureur était présent, et il y avait deux jeunes dames qui étaient mortes dans leur voiture. Et personne ne les avait sortis du véhicule. Et là, ça m'a traumatisé. Deux jeunes femmes qui venaient de Amiens, je pense. Ouais. Elles sont faites tuer ici, chez nous, au Pont-à-Mont. Et là, maintenant, là, je suis à la retraite, mais je ne pourrais plus l'assurer, ça, parce que c'est trop pénible. Surtout quand on ramène les corps au domicile, que les familles sont juste prévenues ou quelquefois ne sont pas prévenues par la gendarmerie ou la police. Et que c'est nous qui devons faire ce travail. Et que ce n'est pas notre travail, ça. C'est le travail de la police. C'est pour ça qu'en dernier, moi, je ne pouvais plus le supporter, ça. Je ne pouvais plus supporter ces accidents de la voie publique. Bon, si c'est des personnes d'un certain âge qui ont vécu, mais quand c'est des jeunes de 20 ans, 22 ans, 25 ans, là, moi, je ne pouvais plus le supporter. Les personnes qui se suicident, c'est très difficile. Il y en a qui se suicident parce qu'ils savent qu'ils sont condamnés. Ils ont une maladie incurable. D'autres se suicident parce que c'est une histoire financière. D'autres se suicident parce que l'épouse est partie et il reste avec les enfants, tout ça. Mais il y a je ne sais pas combien de suicides comme ça. Et d'autres qui se suicident qu'on ne sait pas pourquoi. Il y en a certains, on ne le sait pas. J'ai enterré malheureusement beaucoup de bons copains, beaucoup de copains qui étaient à l'armée avec moi. Et je l'ai très mal vécu parce que j'ai toujours pensé que c'était pas normal d'enterrer des bons copains. Beaucoup sur la commune ici, même sur la commune à côté, que je ne veux pas nommer, ils m'ont rendu malade. Si c'était à refaire, je pense que je referais ce métier parce que c'est un métier qui me plaisait. Au début, j'étais rentré dans l'ambulance et dans les pompes funèbres. C'était un métier qui me convenait, j'aimais ça. Mais plus ça allait, plus ce métier prenait de l'évolution et plus il fallait travailler. En plus, le moral, j'avais le moral qui était pas tellement bon parce que
On ramenait beaucoup de jeunes, même que ce soit en maladie, même que ce soit en accident de la route. Mais je pense que je referai encore ce métier. C'est un métier, premièrement, qui a de l'avenir pour les jeunes, sérieux. Et il faut l'aimer, le métier. Il faut l'aimer, sinon il ne faut pas le faire, hein, ce métier-là. Mais c'est un métier, comme j'ai déjà dit, qui est très dur. Très dur. Point de cœur. Du coup. Oh, Yvon. Nous coupons. Yvon. Yves. Yves, merci. Non, non. Ah oui, c'est vrai. C'est un ouvert. On aura ces projets. Ah oui, oui, oui. On peut, hein. 9, 20 et 26. Putain, on ne marque pas quand même, hein. 8, oui. 10. C'est à moi. Oui. Eh bien, je suis rentré au Pont-à-Roux le 1er janvier 1979. Et je connais Jean-Louis bien avant d'être là, puisque je crois qu'il était rentré en tant qu'ambulancier ou quelque chose d'approchant à Dignac, et j'étais moi-même sur la commune de Dignac à l'époque. Ah, t'as du pif, faut mettre du pif. Quand je coupe, tu ne peux pas monter, t'es pas obligé. Non, c'est moi qui ai coupé. Depuis, c'est... Oui, oui, oui. T'es pas coupé dans le bon sens. C'est tout pique. Cœur. Trèfle. Ça trèfle. Vous perdez, là. Mais non. Non, t'es pas perdu, Yvon. Les bons moments, c'est quand on avait fait un service d'obsèques sérieux, comme ça a toujours été sérieux, mais enfin des obsèques où il y avait un monde considérable, qu'après les obsèques, on avait été donné les condoléances et tout, où on se retrouvait au bar, soit qu'on cassait la croûte, soit qu'on jouait à la manille, où le soir, on restait manger à Rougnac, chez un monsieur que je connais bien. Voilà le seul plaisir que j'avais après les obsèques. Et le lendemain, on recommençait encore. Et toujours, souvent, c'était pour le respect du mort. Moi, j'ai vu que j'ai assuré des obsèques en Dordogne, où après l'enterrement, on était obligé d'aller manger au restaurant. Il n'y avait pas grand-chose. Il y avait un potage, une godaille et un fromage. Là, c'était le bon moment. Parce qu'on ne pensait plus, dans l'immédiat, on ne pensait plus aux défunts. Là, c'était le bon moment. Je me ferai enterrer dans un caveau que j'ai fait construire il y a 5 ans. Me faire incinérer, il n'en est pas question. La raison, c'est que j'ai vu ce que c'est que l'incinération. Mes propres yeux. Un matin, à 8h15, à Pessac, au funérarium. L'employé me dit, as-tu cassé la croûte? J'ai dit non. Ben, il me dit, il y a du pâté là, il y a du pain, il y a un petit coup de Bordeaux, le temps que je fasse venir le cercueil sur la chaîne. Alors, j'ai commencé à manger un bout de pain. Il m'a dit, as-tu vu brûler un corps? Je me rappelle, c'était le corps d'un médecin du coin, là. Et j'ai dit non. Même dit, si tu veux le voir, il n'y a que toi qui peux le voir, et puis moi, parce que la famille, on ne le fait pas voir. Et il m'a dit, tu vois, regarde, je suis à 1200 degrés. Putain, j'ai dit, ça fait chaud quand même, 1200 degrés. Il me dit, tu vas voir. Alors, je me rappelle, c'est moi qui ai fourni le cercueil, qui ai fait la mise en bière et tout. En 2 minutes, le cercueil a été brûlé. J'ai dit, ça brûle vite. Et je donnais toujours mon bout de pain avec les grillons. Et à un moment donné, ça a été le corps qui a dû brûler. Et oui, il y a 12 brûleurs dessous. Et au moment où le feu a touché le corps, la tête s'est levée, les pieds se sont levés. J'ai regardé ça, j'ai lâché mon pain. Et depuis ce jour-là, je ne veux pas me faire incinérer. Parce que je pense que le feu, c'est trop dangereux. La chasse, pour moi, c'est un plaisir. C'est un sport. J'aime la nature. Je chasse toujours avec mes vieux copains et quelquefois des jeunes. Et ce qui est intéressant, c'est surtout le casse-croûte du matin et midi. Et les relations entre nous, surtout.
Je chasse depuis une trentaine d'années à Dignac avec pas mal d'amis que j'ai, dont Yvon Mazière, Jean-Marie et petit jeune Chouille. Et on chasse sur le territoire de Dignac, le faisan, le perdreau, les lapins, le lièvre et le gros gibier, le chevreuil et le sanglier. Bon, je vais vous en raconter une, même peut-être deux. Il y a une vingtaine d'années, je suis appelé par l'hôpital de Girac pour sortir un décédé sur la commune à côté de chez nous, là, à 3 heures du matin. Je charge mon bonhomme là-bas, je le porte chez le client en bas, là, à la ferme. Il y avait un grand couloir. J'avais mis un drap dessus. Et quand je suis arrivé dans le couloir, j'ai défait le drap, et le fils vient. Ah, il me dit, t'as pas perdu de temps d'amener mon père. Mais j'ai dit non, je me suis dépêché. Et il regarde, mais il me dit, mais c'est pas mon père. Qu'est-ce que j'ai fait? Aussitôt, je remets le drap dessus, je recharge dans l'ambulance, parce qu'à cette époque-là, on pouvait sortir les personnes décédées de l'hôpital avec l'ambulance. Je m'en vais à l'hôpital de Girac, où je l'avais pris, et puis il y avait un autre gars qui chargeait, un collègue. J'ai dit, écoute, il ne faut pas que tu t'en ailles, je crois que mon colis, tu l'as, et moi, j'ai le tien. Il me dit, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? J'ai dit, ce que je te raconte, c'est vrai, hein. Alors, on va voir la surveillante de nuit, puis je lui dis, mais il y a une connerie, là. J'ai dit, tu m'as donné ce client, là, c'est pas son... Il s'en va pas à Grassac, ce gars-là. Ah, elle me dit, pourtant, attends, faut qu'on regarde voir. On va voir derrière les lits. Et derrière les lits, les fiches étaient bien comme ça. Mais ils les avaient inverties dans la nuit. Ils sont morts tous les deux, mais ils n'avaient pas changé les fiches. De côté. Alors, je suis revenu à 5 heures du matin apporter le bon client chez lui, au bon endroit. Et tu dois savoir où c'est à Grassac, là, chez... On est passé après. Tu me diras d'arrêter. Là, hein. Là. C'est bon. Quoi, là, là. C'est bon. C'est bon. Tout à tout. Rendu là, là. Ils attaquent à prendre fort. Voilà. Ouais. Tu veux peut-être de l'avoine de curé? Attends, je vais goûter avant. Moi, je l'ai. Non, mais attends. Il en faut maintenant, même à ton âge, Raymond. Hein. Oh. Faut pas... C'est un exemple. Attends, je vais goûter avant. J'en ai encore une autre. Un grand-père que j'amenais souvent en clinique pour un traitement. Et puis un beau jour, il est décédé à la clinique. Je l'ai ramené au domicile. Et sa pauvre femme, qui ne voyait pas trop clair, lui, il avait 96 ans, elle en avait 94 à cette époque-là. Elle me dit, Jean-Louis, où c'est que t'as mis mon mari? Je ne me rappelle plus de son prénom. J'ai dit, il est sur le chariot, là. Ah, que dit un patois, il faut qu'il l'embrasse. Cette pauvre grand-mère, elle a été l'embrasser impensable. Ce qu'elle pouvait embrasser, ce brave vieux.
Après, je lui ai demandé où j'allais le mettre. Alors, j'ai dit, ben, je le mets au milieu du lit. Ah, elle me dit en patois, non, pas au milieu d'ouiller, parce qu'il voulait me corriger à Kouta. Bon, je l'ai mis à côté du mur. Et après, elle se retourne vers moi, elle me dit, mais où est mort de quai? Ah ben, j'ai dit, où est mort au cœur? Ah, cette pauvre vieille me dit, m'en doutez-vous, autant travailler. Je chasse avec eux parce que je pense qu'ils ont besoin quand même de 109 dans l'équipe. Et puis bon, on a beau dire, hein, pour des années étant là, la vue baisse. Alors s'ils veulent un peu, s'ils veulent un peu ramener quelque chose au tableau, ils ont besoin de jeunes, quoi, avec l'œil vif, le tire-bon. Je suis fossoyeur. Et j'interviens quand Jean-Louis me le demande. C'est-à-dire que s'il y a un défunt, il me téléphone. Il me dit, voilà, tel endroit, il y a une fosse à faire, un caveau à ouvrir. Et moi, j'interviens. On prend contact, on se rend sur place. Il monte la position ESA au cimetière. Et à ce moment-là, il me donne l'heure, l'église, l'heure d'arriver au cimetière. Il faut que je sois prêt quand lui arrive. Et après, comme il dit, Jean-Louis, on baigne. Je suis Yolande, la femme à Jean-Louis. Je suis née à Gura. J'ai 68 ans. Et j'ai tenu le restaurant avec ma mère, qui est restée 43 ans. Parfois, il y avait beaucoup de travail, et surtout pendant 3 mois de l'année, les haras de Sainte étaient en déplacement avec des chevaux. Pour la reproduction, pour les gens de la campagne, pour leurs juments. Je travaillais 13 ans à l'usine de chaussures au Taquin à Villebois-Lavalette. Avant de faire l'ambulance avec Jean-Louis, mais je suis quand même restée 2 ans à l'usine tout en faisant le travail de l'ambulance. Donc je travaillais les nuits avec lui. Et parfois la journée, je prenais du temps sur mon travail de l'usine pour l'aider. Il y a 20 ans que je faisais le métier avec lui, bien sûr. Et au début, il a fallu m'y habituer parce que c'est quand même assez dur. Surtout les pompes funèbres. L'ambulance me plaisait davantage et puis c'était agréable. Mais les pompes funèbres, il fallait bien le faire dès quand il avait personne pour l'aider. Ben, la retraite, c'est pas mal du tout. Hein. On en avait bien besoin parce qu'avec le métier qu'on avait, c'était assez dur. Moi, on l'apprécie bien, la retraite, tous les deux d'ailleurs. Je suis prêtre depuis 1958. J'étais à Charras. C'était une grande France profonde. Puis ensuite, je suis descendu à Marton en 61-62 pour administrer religieusement les 7 communes dont j'avais la responsabilité qui s'aimait un peu partout. Vallée du Bandia avec Saint-Germain, Marton, Feuillade, Souffrignac, puis les Hauts-Lieux, Mazac, Charras et Grassac. Ouais.
Et puis ensuite, en 71, sur la demande de mes amis, notamment M. Bosbeuf, Abel dit Belou, nous avons fait une liste pour devenir, à la mort du maire, devenir prendre l'administration de 7 communes. Et depuis 1971 jusqu'à 1995, je suis resté maire de ce beau pays de Marton. Avec la réussite ou parfois les échecs. Et il n'y a pas de disparité entre le rôle de prêtre, de responsable spirituel et de maire. Sinon, je ne serais pas resté. Car le contact humain est fait de deux choses. D'un côté matériel, qui s'appelle l'administration, la vie des êtres humains sociologiquement, et puis le spirituel, qui est la recherche des idées pour faire ou parfaire sa vie. Mourir, ce n'est pas finir, c'est le matin suprême. Oui, dans la bouche de Victor Hugo, ça m'étonne un peu qu'il ait pu dire ça. C'est moi, il a dit tellement de choses qu'on ne sait pas par où le prendre et comment le prendre. Et là, c'est de la spiritualité profonde. Et qui, pour nous les chrétiens, a pour nom l'espérance. L'espérance dont parlait Peggy, un poète français bien de chez nous, pas un charlatan, pas un fumiste, qui disait l'espérance, une petite fille de rien du tout, qui est venue au monde un jour de Noël. Et c'est l'espérance qui concrétise la vie des êtres, je parle surtout des chrétiens, et même de ceux qui ne sont pas chrétiens, pour pouvoir essayer, non pas de se localiser en tant que somatique, en tant que corps, sur cette belle terre que nous avons, mais pour essayer de parfaire leur vie. Et mourir, ce n'est pas finir, c'est exact. C'est exact. Parce que cela représente la possibilité qu'ont les êtres humains de pouvoir s'évader de leur vie. On parle beaucoup de nos jours de l'euthanasie, des façons de mourir. Vous savez, quand quelqu'un meurt subitement en voiture, ou qu'il est terrassé par une embolie, ou une rupture d'anévrisme, que voit-il? Nul ne sait. C'est pourquoi que de nos jours, beaucoup de sociologues, beaucoup de poètes et de romanciers envisagent la mort. La mort, qui est d'ailleurs toujours quelque chose de terrible, il ne faut pas l'oublier. Et quand on en parle bien parce qu'on est vivant. Mais quand on est presque sur le point de rencontrer cette mort, il y a quelque chose qui se crée dans le psychisme, puis dans le cœur, pour essayer de la surmonter. Des souvenirs avec Jean-Louis Pouillade, surtout à Chara, qui faisait ce rôle de préposé aux pompes funèbres, avec beaucoup de grâce et de gentillesse. Et quand il me téléphonait souvent pour me dire « Est-ce que vous êtes libre, que ce soit Rougnac ou que ce soit Chara ?» j'avais beaucoup de joie à le revoir, parce qu'il était direct. Il avait ses qualités, il avait ses défauts, comme nous tous nous en avons. Parfois, il rentrait à l'église. Dire quelque chose. Il rentrait à l'église pour les enterrements qu'il faisait. Et il donnait même à l'offrande, ce qui n'est pas toujours la réalité. Si quelqu'un de Montbron, Château, Claude Château le fait aussi chaque fois. Regardez, les médecins ne vont jamais aux enterrements de ceux qui les entourent pour mourir. Ils ont peut-être peur qu'on dise qu'ils les ont fait mourir. Tandis qu'eux, au moins, ils viennent régulièrement pour assister même à la prière de ceux qu'ils convolent, qu'ils convoient jusqu'au cimetière. Et c'est peut-être cela
qui, dans la pensée de ses amis qui s'occupent du cercueil et du mort, des fois l'habiller, le mettre dans la boîte, comme ils disent, c'est quelque chose de sérieux. À lui n'est pas arrivé ce qui m'est arrivé une fois à Soufrignac, en 58 ou 59. Je vais dans une maison de Soufrignac, dans un lieu dit, où la maison était encore en terre battue. L'électricité était vacillante, il y avait juste une petite lampe. Et j'arrive pour faire la prière sur le corps du défunt, qui était mort et qui reposait dans sa petite maison, bien triste et bien tranquille. Je franchis le seuil de la porte, il n'y avait personne pour m'accueillir, et je vais, il y avait deux lits dans une pièce, et je vais au premier lit. Et alors, je regarde, il me dit, ce n'est pas moi, c'est elle, dans l'autre lit voisin, car cet homme était bien vivant, mais sa femme était morte. Ce n'est pas Messedi, c'est l'autre. Oui, des anecdotes qui sont terribles. Quand on rencontrait ça à des gars des villes, ils rigoleraient, peut-être. Mais ça m'a même surpris, ça m'a même surpris. Et quelque temps après, j'ai été revoir à l'enterrement cette brave femme et je lui ai dit, je suis content de vous revoir. Elle me dit, moi aussi. Gabriel Chaumette, c'était un ami avec Henri Laforge que je contactais souvent. Et qui avait toujours des mots ironiques. Au fond, c'était un gars bien de chez nous. Et lorsqu'on montait à Hénande, avec le camion de Henri Laforge, avec des pieux pour les différents moulets et les huîtres, un beau jour, on passe à SIC, C-I-C-Q. Et alors, Chaumette, qui venait de se réveiller, car on partait de bonne heure, 3 heures ou 4 heures, dit, mais on est à SICO. Il confondait le Q et le O, SICO. C'est un mot anecdotique qui est très sensible dans la bouche de Gabriel, qui avait toujours le mot pour rire, qui aimait les enfants avec beaucoup de discrétion et qui savait ironiser quand il le fallait. Bien sûr, de temps en temps peut-être, il y avait la joie du vin, et pourquoi pas, et pourquoi pas. Et alors il était à Rougnac avec sa mule pour les enterrements et le vieux corbillard. Et un beau jour, je faisais les obsèques là-bas à Rougnac. Il y avait des petits enfants de cœur très mignons, dont je ne me rappelle plus les noms d'ailleurs. Et un jour, Madame Dufraisse, la mère de Monsieur Dufraisse, non, de Madame Dufraisse, tenait les cordons du poêle. Et voici que Gabriel vient me voir et il me dit, notre moussure, attention. La mule est très virulente, elle est rapide. Alors, avec le petit enfant de cœur qui portait le bénitier, nous montons un peu plus haut sur la trajectoire du cimetière, c'est les routes qui montent, et la mule démarre au quart de tour, et j'entendais Madame Dufraisse qui disait « Oh cocon, on m'aura fait, tu vas Et une autre fois, ce sac à Gabriel, il y avait un enterrement au Clédou. Et j'étais avec le maire, en l'occurrence M. Dufraisse. Et M. Dufraisse me dit, mais qu'est-ce qu'il fait, Chaumette? Qu'est-ce qu'il fait? On voyait rien arriver. Tout d'un coup, on a vu arriver le fourgon mortuaire avec le cheval, avec sa mule, à bride abattue, toc toc. Toc toc. À partir de ce moment-là, il n'a plus fait les enterrements.
Le maire l'avait liquidé. J'ai des bons souvenirs, ça, très simple, très humain. Et aussi plein de gentillesse. J'ai fait la prière pour lui à Rougnac. Et j'avais un grand regret dans mon cœur d'homme, et puis aussi de prêtre, de voir partir cet ami. Mais la loi de la vie est terrible et tout le monde la subit. Oh, je suis bien fatiguée. Je suis bien fatiguée. Mais maman, nous sommes tous là. Dis-nous ce qu'il faut faire. Oui, ma douce Éléonore, mets donc les verres sur la table. Ne t'inquiète pas, on s'occupe de tout. Oui. Marcelin, va donc chercher un peu de vin blanc. Et toi, apporte les gâteaux. Ça va être dur, mon pauvre. Mais il faudra du temps, il faudra laisser le temps passer. Ça atténuera tout. Sois courageuse. Ma pauvre sœur, quel malheur! Mais que vas-tu donc devenir toute seule? Je sais pas. Regarde-moi, ça fait combien de temps que mon Fernand est parti? 7 ans, hein? 7 ans? Maman! Oh, c'est vrai. Il me reste mon brave Marcelin. Célestin. Que mon frère Antoine repose en paix. Oui. C'est vrai qu'il aimait bien boire un petit coup, lui aussi. Oh oui. C'est peut-être pas le jour pour dire ça. Bah, c'est pas... On peut se souvenir des bonnes choses. Oui, surtout qu'il aimait bien les bonnes choses. Il aimait rire, il aimait s'amuser, il aimait chanter, au veiller là-bas dans son petit village de Haute-Vienne. Trois fois par semaine, il se réunissait et puis chantait des chansons anciennes. À tel point qu'un jour, il en a composé une pour raconter un peu sa vie de misère à la campagne. Il était gai. S'il te plaît, Henri, pour sa mémoire, chante-nous cette chanson. Non. Mais si, bien sûr. Si. Mais si, pour lui. Si, Henri. Je suis sûre qu'il serait content. Si, Henri, vas-y. Oui. Vas-y, chante-nous cette chanson. Vas-y. Je vais essayer. Hein. C'était une chanson mi-patois, mi-français. Je ne parlais pas trop bien français comme moi, mais il chantait quand même un peu en français, le refrain est en patois et le couplet est en français. Je vous en chantais juste un couplet parce que bien ça sûr, serait trop long. Hein. Mais c'est vraiment sa vie à lui, à Antoine. Il s'appelait appelé Toine, qui est Toine en patois. Alors, qui est l'accent de Toine? De Liando. Mais je m'appelle Toine et je sais de Liando. Faut voir comment ça craigne. Quand il y a une mon sape humello, tout la zendo village, disent que ça est viro. Mais je m'appelle Tueno, et je sais de Liando. À la maison, j'ai 4 ou 5 moutons, une brebis et un petit cochon. Je leur donne du foin, et moi j'en mange aussi. Comme ça, ça fait de l'économie. Je vais courir avec elle dans la bruyère, tout en traquinant les bergères. Mais pour ressembler à un vrai pastoureau, je leur chante tout haut. Mais je m'appelle Tueno, et je sais de Liando.
visa comme ça y crène. Avec ma canne et mon tsapeu, melo, tout la zendo vilèze, disent que ça y virou. Mais yo m'appelle Twenno, et yo sai del, yon de vous me gêner, là, vous devoir chanter ça. Non, ça me... Merci non, pour tu vois, lui. Ça me fait de la peine. Merci non, pour lui. Ça fait de la peine. Merci. Bon, eh bien, écoutez, on va quand même trinquer parce qu'il aimait beaucoup ça. La bonne vie, la vie gaie. Allez. Et sois courageuse, ma petite, sois courageuse. Je suis là, je t'accompagnerai. Tu n'auras qu'à demander quand tu auras des problèmes. Nous sommes d'ailleurs tous là, c'est pas moi, hein, c'est toute la famille est là. Merci. On a toujours été très unis. Merci pour tout. Merci. Ouais, oui. Merci. Ouais, c'est bien. C'est bien, allez, sois courageuse. C'est dur. Allez, tu manges un gâteau. Tu manges un gâteau et puis tu... Oui, allez. Faut s'y faire. Le vent dans tes cheveux blonds, le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson, que c'est beau la vie. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà roux, et son cri par-dessus tout, que c'est beau la vie. Tout ce qui tremble et palpite, tout ce qui lutte et se bat, tout ce que j'ai cru trop vite, a jamais perdu pour moi. Pouvoir encore regarder, pouvoir encore écouter, et surtout pouvoir chanter, que c'est beau la vie. Le jazz ouvert dans la nuit, sa trompette qui nous suit dans une rue de Paris. Que c'est beau la vie. La rouge fleur éclatée,